Le Seigneur soit avec vous. Le maître de la vigne, vous le connaissez, c'est Dieu lui-même. Les serviteurs maltraités aussi, vous les connaissez. Ce sont les prophètes et les envoyés de Dieu. Le Fils unique, vous le connaissez également. C'est Jésus, le Christ. Nous pourrions dire que tout cela ne nous concerne pas, puisque nous n'avons maltraité ni les prophètes, ni Jésus. Pourtant, la parole de Dieu nous est encore adressée à nous aussi aujourd'hui. Nous pouvons essayer de mettre à la place des prophètes et de Jésus les pasteurs d'aujourd'hui, prêtres, religieux et religieuses. Mais là encore, ce n'est pas évident que vous soyez comptés parmi ceux qui nous traînent dans la poussière, cherchant par tous les moyens à nous salir et à nous reprocher nos mauvais comportements. Là où il n'y aurait pas de débat possible, c'est si nous essayons de mettre à la place des prophètes et de Jésus autre type de personnes. Par exemple, nos employés, les gens qui sont soit à notre service, soit qui travaillent avec nous dans le même service. La vigne appartient au maître, ce qui veut dire qu'elle appartient également à ses serviteurs et plus encore à son fils unique. Remettre le fruit de la vigne, ce n'est pas de la charité, c'est une simple obligation morale. Mais nous voyons comment ont réagi les vignerons qui n'en sont pas propriétaires. Ils prennent pour eux ce qui ne leur revient pas de droit. Nous aussi, d'une manière ou d'une autre, sommes comme ces vignerons. Si vous retenez sur le salaire de vos employés de l'argent qui leur revient de droit, alors vous êtes comme ces malheureux vignerons. Si vous faites travailler vos collègues pour en récolter les fruits pour vous tout seul, et non pas pour les partager comme il se doit avec eux, vous êtes comme ces vignerons malhonnêtes. Toutes les fois que vous calculerez, non pas en tenant compte de ce qui est juste, mais en tenant uniquement compte de ce que vous gagnez, vous, même sur la sueur et le sang d'un autre, vous serez comparable à ces vignerons malhonnêtes. Dieu seul sait comment cela se vérifie dans notre existence humaine, commençant par nous, les consacrés, qui faisons travailler nos confrères comme des ânes pour en récolter tous les avantages, avantages que nous refusons habilement de partager équitablement avec eux. Et chacun, à son niveau, peut, en âme et conscience, se revisiter et trouver là où il agit pareillement. C'est en réussissant cet exercice que nous comprendrons l'évangile de ce 27e dimanche du temps ordinaire. Seigneur, ne permets jamais que je fleurisse sur les cendres des autres. Amen.